Des coups de main face au coup du sort. Les sinistrés des vallées azuréennes en ont connu depuis les inondations et ça continue. Aujourd'hui, ce sont les musiciens dont certains ont des liens très forts avec la montagne qui se mobilisent et participent à ce premier grand concert de solidarité. Générosité, résilience et musique. On fait le point culte sur la question. Ça se passe sur cette scène à Mougins. Vous êtes imprégné de l'esprit de ces vallées azuréennes, niçoises. Qu'est-ce que c'est que cet esprit ? Frédéric. Ouais, moi, j'ai grandi en fait, dans la vallée de la Tinée. Mon arrière-grand-père était maire de Bérols. Mon grand-père était adjoint pendant 50 ans. Et j'ai passé toute mon enfance là-haut. Je suis élu maintenant dans ce village. Donc, c'est vrai que ça m'a particulièrement touché. Parce que j'ai passé... Enfin, je monte encore très souvent là-haut, évidemment. Mais c'était un attachement vraiment depuis l'enfance. Donc, ça a été un drame assez touchant pour moi. Voilà, et moi, c'est tout simplement 26 ans de ma vie passée à sillonner toutes ces vallées avec mon ami et collègue qui n'est pas malheureusement aujourd'hui avec nous, Frédéric Chauvel. J'ai donné donc des cours dans la Tinée, dans la Visubie, dans la Roya et dans au Pays Grassois pendant 26 ans. Et je suis particulièrement attaché et particulièrement touché par ce qui s'est passé. C'est vraiment viscéral. Je souffre pour ces routes que je connais si bien. Le père de nos élèves, il est Bruno Colubert, il est mort. Il était à Saint-Martin-Visubie pompier. Voilà, je le connaissais personnellement. Ses enfants ont été avec nous dans cette école. Et également, je suis en charge avec Frédéric Chauvel de la programmation des concerts sur Valberg. Et dans la Tinée, pendant 20 ans, on a organisé. Donc, oui, parce que c'est un lieu de culture aussi, cet endroit. Et vous avez choisi un morceau qui est particulièrement fort en émotion pour ça, c'est ça ? Oui, on va jouer ensemble l'élégie, enfin, on jouera séparément, puis ensemble l'élégie de forêt, qui est une pièce que Pablo Casals a énormément jouée toute sa vie, qui est une pièce assez emblématique et très, très puissante, à la fois en émotion et en espoir aussi, j'espère. Voilà, et puis à côté, on joue deux morceaux de Isaac Albéniz, un pour le violoncelle, un pour le piano. Normalement, c'est pour piano, mais Frédéric le joue, Asturias, au violoncelle. Et moi, j'ai choisi Cordoba, qui était aussi un morceau chargé d'émotions, donc de Isaac Albéniz, Cordoba. Adli Danzaro, directrice de l'école de musique, Richard Galli, le maire de Mougins. Alors, je précise qu'on n'a pas les masques, mais au moment de cette interview, la salle est vide et on respecte les distances de sécurité. J'ai envie de vous demander, créer cet événement des musiciens pour les sinistrés, c'était une évidence ? Complètement. La plupart des musiciens ont tous joué dans ces vallées. Et c'était vraiment une évidence pour nous d'utiliser notre musique comme outil pour pouvoir les aider et récolter des fonds. Donc cette idée, elle a fait, je dirais, l'unanimité. Vous avez appelé ce concert Résilience. L'idée de résilience, c'est l'idée que finalement, on peut être soutenu et se reconstruire. Ce concert s'appelle Résilience parce que c'est vrai que nous avons cette capacité à pouvoir être ensemble, être solidaires, se relever dans ces moments terribles. Et cette résilience, eh bien, je crois qu'il va falloir la montrer tout au long de ces semaines, de ces mois et même probablement de quelques années pour venir en aide à ces sinistrés. Et alors pour une raison bien évidemment de restrictions sanitaires, la jauge a été réduite, mais le concert sera diffusé sur les réseaux sociaux pour inciter aussi à partager ce moment, mais aussi à encore donner pour soutenir les sinistrés, c'est bien ça ?
Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. En fait, nous habitons dans une région touristique et tout le monde en France et même à l'étranger, en Europe, connaissent nos belles montagnes. Ouais. Et le fait de pouvoir le diffuser à grande échelle, ça va pouvoir effectivement donner la possibilité de récolter plus de fonds. La musique, oui. Les vallées et vous, c'est une histoire qui a commencé il y a quelques années ? Oui, bah, pas si longtemps quand même, mais effectivement, quand j'étais enfant, oui, j'ai passé toute mon enfance à Saint-Sauveur-sur-Tinée. Et là, c'est là que j'ai appris la musique dans la nouvelle école départementale. Hein. C'est les débuts de l'école départementale, c'était auprès de Frédéric Chauvel, un grand ami aussi de Marc Soleil-Léris qui est présent ce soir au plateau. Et on est tous réunis parce qu'on a une histoire particulière avec les vallées. Pour moi, ça me tenait vraiment à cœur. Et alors en plus, vous avez décidé de jouer à la fois une musique particulière et avec une formation particulière. Oui, alors c'est une nouveauté pour ce soir puisqu'on s'est dit qu'il faut faire quelque chose pour ce soir. Alors j'ai appelé des amis avec qui j'ai partagé la scène il y a quelques années. On a formé un groupe de salsa juste pour ce soir, voilà, pour donner une lueur d'espoir et puis quelque chose de gai hein, pour ce concert. Ouais. Allez, résilience sur un air de salsa. Oui, ça me semblait important de donner cette touche d'espoir pour finir. Et puis nous, les artistes, on a vraiment un rôle à jouer, plus que toujours. Hein, vraiment là, maintenant, on a notre place à prendre sur la scène pour aider les gens à traverser ces épreuves. Merci. Pour eux ? Oui. Para ser ambiente, quédate María.